Les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter une équipe FUT 18. Donc voilà, pour plus ou moins 30K, je pense. Donc c'est une petite Ligue 1, franchement, qui est bien sympa pour débuter FIFA. Et normalement, avec l'achat revente que je vous ai fait, vous avez minimum 30K. Donc franchement, c'est une équipe à faire. Après, je vous montrerai les stats. Franchement, peut-être vous mettre quelques buts aussi avec cette équipe. Je vais faire un petit montage et voilà. Donc c'est parti les gars, on va plus tarder. Au goal, on a Kevin Trapp. Voilà, acheté pour 850, vous voyez, franchement, pas très cher. Un très bon gardien, 1m89. Voilà les gars. Après, pardon. On a tête en DD. Après, si vous voulez prendre Raphaël à 1100 crédits, c'est votre choix. Mais moi, j'ai tête en premier détenteur, donc je l'ai placé dans mon équipe. Voilà, donc c'est Kenny Tet. Après, en DC, on a Loïc Perrin, acheté 3200. Franchement, l'IA, il est vraiment une très belle carte. Je sais qu'il est un peu moins rapide que l'année passée, mais franchement, sur le terrain, ça se ressent pas. Il est toujours aussi rapide. Il a rien perdu de son talent, 1m81, petit. Mais le marchand, il rééquilibre un peu les trucs. Acheté 950 crédits. 76 de vitesse, 75 de défense, 78 de physique, 67 de passe. Franchement, c'est magnifique. Moyen, élevé en défense. D'ailleurs, je crois que c'est pareil pour Perrin. Non, moyen, moyen. Tant que c'est pas élevé en attaque, c'est bon. Donc, un pied droit, un pied gauche. Voilà. À gauche, on a Yuri, donc le défenseur parisien. 78 de vitesse, 76 de défense, 81 de physique, 74 de passe. C'est vraiment une très belle carte achetée pour 1500 crédits. Après, si vous voulez mettre des joueurs, si vous avez les crédits, franchement, les gars, mettez plus de joueurs. Hein. Moi, il faut que je le fasse. En milieu, les gars, on a comme premier milieu Willian Cyprien, acheté 1900 crédits. Pour 1900 crédits, il a une carte de taré. 79 de vitesse, 80 de dribble, 75 de tir, 73 de défense, 77 de passe, 81 de physique. C'est juste une machine de guerre. Après, à côté de lui, on a Pastore. Pastore, franchement, je l'aime plutôt bien dans ce FIFA. Parce qu'il est grand. Il a une très belle carte, quand même, assez rapide. Physique, ça passe encore. Il a une très belle frappe. Et en plus, il coûte que 2600. Donc, c'est parfait. Alors, en AD ou en MD, c'est comme vous voulez. On a Malcolm. Franchement, il a une très belle carte pour 2200 crédits. 83 de vitesse, 82 de dribble, 73 de tir, 74 de passe, 63 de physique, 4 étoiles, 4 étoiles. Il est gaucher. Franchement, les gars, Malcolm, je l'ai trouvé très, 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 très rapide. Pour 83 de vitesse, je l'ai trouvé très rapide. En AG, on a Memphis Depay, acheté 3600. Memphis Depay, les gars, j'ai pas besoin de vous l'écrire. Élevé faible, 89 de vitesse, 83 de dribble, 77 de tir, 77 de physique. Il a une carte de ouf. En plus, les coups francs, ils sont toujours aussi cheatés avec lui. Donc, c'est magnifique. En MOC, on a Ben Arfa. Ben Arfa, sur ce jeu, franchement, les gars, il est monstrueux. 5 étoiles, 4 étoiles. Et il coûte que 1000, entre 1000 et 2000 crédits, les gars. Donc, c'est un truc de fou. En 7 matchs joués, il m'a mis 10 buts, 6 passes D. Ce qui est quand même assez important. En BU, on a Balotelli, voilà, Balotelli 3009, il a une carte de taré, 4 étoiles, 4 étoiles, 1m89, 12 matchs, 7 matchs, 12 buts, 11 passes des gars, voilà, on peut rien demander de plus. Donc c'est une petite équipe, après la deuxième, peut-être que je vous la présenterai, c'est aussi une équipe dans le même style en Liga. Voilà, sauf que là c'est une Liga Santander, donc, avec laquelle je m'en sors bien, hein, franchement. Donc voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous mets tout de suite quelques extraits. Ciao.